Au refuge de la Valentine, on manque de place. Avec l'arrivée de l'été, de plus en plus de personnes abandonnent leurs chiens pour partir en vacances. Pour gérer ce flux de masse, l'ASPA envisage d'élargir la capacité d'accueil du centre en construisant 50 boxes supplémentaires sur ce terrain de 2000 m². Alors, le problème qui se pose actuellement, c'est qu'on a un projet d'extension depuis de nombreux mois et que les services des installations classées de la préfecture mettent un petit peu en attente puisque les boxes que nous proposons à la construction, donc à 6,20 m, identiques à ceux qui existent depuis 10 ans, on nous répond qu'ils sont un petit peu trop petits et que l'arrêté ministériel prévoit 10 m² pour l'accueil de 2 chiens. Du côté de la préfecture, pas question de mettre 2 chiens dans des boxes de 6,20 m. C'est pourtant déjà le cas ici. Depuis 10 ans, ces chiens vivent dans des surfaces de 6,20 m et aucun problème n'a été signalé. Alors moi, il me semble que le chien est un animal social. Le fait d'avoir 2 animaux par box ne pose pas de problème. Bien entendu, nos chiens sont stérilisés et on prend en compte les affinités de chacun. C'est-à-dire que des animaux qui sont difficiles, on vient bien entendu ne pas les doubler, tout comme les chiens qui dépassent un certain gabarit. En ce moment, le dossier se trouve entre les mains de la préfecture. La SPS souhaite avoir cette autorisation rapidement pour pouvoir accueillir de nouveaux chiens. Aujourd'hui, on compte plus de 360 chiens qui vivent dans ce refuge.